toutes et à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo Origine Perdue. On va continuer, on va enchaîner les vidéos Origine Perdue. Et aujourd'hui les amis, on s'ouvre les 8 solo packs. Voilà, donc ça c'est de ma commande de chez Pokémon. C'était comme les tri-packs, la vidéo qui est sortie avant. Et du coup on s'ouvrira les deux displays après. Voilà, j'ai fait dans cet ordre là. Je change un petit peu d'habitude. D'habitude c'est les displays, mais là je fais l'inverse. Donc les tri-packs qui sont déjà sortis, n'hésitez pas à aller voir la vidéo. Et là maintenant on s'ouvre du coup les 8 blisters solo packs de chez Pokémon. Donc il y a deux illustrations de chaque. Le petit Amo Vénus, le petit Gardevoir Shiny. Là on a le Zoroark de Hisui. Et ici le Giratina. Voilà, donc c'est les solo packs de chez Pokémon. En principe ils sont très chanceux. Donc là j'espère qu'ils seront aussi chanceux. Et écoutez les amis, on est parti. Ok, du coup on est parti les amis. Je les ai enlevés de leur solo pack. Et donc on a évidemment à chaque fois deux fois une illustration. On les a toutes, je les ai mis en ordre de préférence d'illustration. Écoutez, on est tout simplement parti pour cette ouverture. On ne perd pas de temps. Donc il s'est très bien ouvert celui-là. L'objectif c'est toujours de tirer les cartes objectives de la série. Je les avais sorties, donc c'était évidemment la Arcanin TG. Et du coup j'ai rajouté aussi en objectif, enfin ça j'ai pas rajouté, mais la Giratina alternative. Et aussi en TG alternative, j'aimerais beaucoup choper la Ptera, parce que je l'ai vue sur des posts en stage. Je la trouve franchement très très belle. Et j'aime beaucoup Ptera vu que c'est une espèce de... Bon, en soi c'est un dinosaure mais un peu dragon quoi, et du coup j'aime bien. Bon allez, Misterm, Caninos, Exelang, Limagma, Melofé en reverse ou en TG. Nous aurons une reverse avec un Sepiatop et on aura un Nigosier en rare qu'on a déjà tiré. On enchaîne sur le deuxième booster Amo Vénus. Hop, ok, petit code noir pour le Amo Vénus, peut-être qu'il va nous porter chance. Ah si, il sort un Amo Vénus, s'il vous plaît, pas d'Amo Vénus. Est-ce qu'il y a un Amo Vénus full art? J'espère pas. Coco. Artide, Machoc, Pikachu, Mucuscule, Archeomir. Ok, oh les amis, on a un truc très intéressant, je crois. Je crois qu'on a quelque chose de très 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 intéressant. Et si je ne me trompe pas en voyant la brillance qui n'est pas habituelle, c'est peut-être une Black Gold. Voilà, je tease le truc. Et là vous dites, vas-y, tire. Ok, ok, je tire, je tire. C'est pas une Black... C'est quoi? Pas du tout. Ok les gars, alors je crois qu'ils ont totalement changé, ils ont changé les cartes. C'est du coup, oh, wow. Percupio, je sais pas qui c'est. Par contre ils ont changé, ils ont carrément changé. Alors soit c'est ma lumière qui fait ça, mais j'ai l'impression qu'il y a encore 10 fois plus de paillettes. Et j'ai l'impression que c'est un peu plus brillant aussi. C'est pour ça en fait, ça paraissait vachement plus foncé vu qu'il y avait une carte dessus. Franchement, s'ils ont rajouté... pour moi, ils ont carrément... Ah si, on voit beaucoup mieux en fait. En gros, c'est plus des points. Maintenant, c'est des carrés un peu pixels. Du coup, c'est pour ça que ça ressort beaucoup plus brillant. Et ben, c'est plus joli cet effet, je trouve, qu'avant. Parce que du coup, on voit vraiment bien, bien la brillance, quoi. Elle est trop jolie. Eh, je suis contente. Une rainbow, les gars. Donc, Percupio, je connais pas du tout, je sais pas qui c'est. Mais Percupio, tu représentes une très jolie rainbow là, et du coup avec un nouvel effet, donc c'est très très léger hein, comme effet, ça change pas des masses, mais on le remarque quoi, vu comment ça, mais ça brille de ouf. Je trouve ça vraiment très joli hein. Pour le coup je valide à 100% et ça va rendre beaucoup mieux pour les photos. C'est surtout pour ça que je suis très contente. Donc Percupio ultra rainbow, donc très cool, très très cool, belle carte. Là on commence très très fort avec une rainbow. On continue du coup les solo packs, mais en principe les solo packs, j'ai toujours de la chance, surtout avec ceux de chez Pokémon, hein, donc n'hésitez pas à commander chez elle les solo packs. Vraiment, je sors toujours des dingueries. Mini Galder, c'est dans les solo packs que j'ai sorti la Dialga alternative. Oui, c'était Dialga. Alternative Goat de la série. Alors c'était Astro Radieux ou Star Étincelante, je sais plus. Dans une des deux. Je confonds, donc je pourrais pas vous dire. Ok, trop belle. Zoroark de Hisui. Je crois que c'est une holo, clairement, mais incroyable. Donc en reverse, très belle, très très jolie. Et de... Eh, les gars, bah nickel. Nickel, j'avais un doute. Zoroark, du coup, de Hisui, qui est une holo que je trouve très très jolie. Il me fait penser à Luffy avec son éveil. Je sais pas pourquoi, mais... Là, c'est un bon petit booster. Bon, par contre, faut pas refaire ça, du coup. J'avais mon doute, donc je suis contente de l'avoir en holo, mais... Les doublons comme ça, en principe, c'est pas ce qui fait le plus plaisir. Ok, deux codes noirs pour l'illustration de Gardevoir. Hein. Après, je dis ça, je dis rien. Ok. Portail Mirage, Machopper, Chimera, Anchouette, Grenipio, Hippotramp, Meditica, Sonkoki. Oh les gars, mais attendez, on va faire une dingue là, je crois. Mucuscule. Oh,
une full art. Une full art avec un Marcia full art qui est incroyable aux couleurs de l'automne. Là, on est dans le thème de la saison qui va arriver, l'automne, clairement. Elle est trop trop belle. Je sais pas s'ils ont aussi augmenté la brillance pour les dresseurs, mais franchement, très quali. Non, je pense pas qu'ils aient changé pour les dresseurs comme ça. Marcia, elle est très très belle. Très 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 belle carte. Une full art, une rainbow, par contre du coup c'est des dresseurs. Mais j'ai l'impression que les dresseurs tombent plus que les Pokémon. Je sais pas si c'est une impression. Hop, on la met évidemment sous sleeve. Et puis on va continuer. Et franchement, une rainbow, une dresseur full art. Il nous reste 4 boosters. Donc en 4 boosters on a eu tout ça. C'est énorme. Là clairement les solo packs sont beaucoup plus chanceux que les tri-packs. Hein. Allez. Énergie cadeau, Blizzaroi, Ville perdue, Kung Fuin, Elionceau, Fantominus, Quanton, Zorua, une petite TG peut-être? Non, une rare reverse avec un Elixprint qui est trop beau. Et derrière un Oupa en rare. Ok, on enchaîne. Deuxième illustration de Zoroark. Hop, et hop, 1, 2, 3, 4... Pas de TG incroyable pour l'instant, on n'a pas sorti de dinguerie au niveau des TG. Donc c'est, j'ai envie de dire, le meilleur est à venir. Hein. Kung Fuin, Elionceau, Fantominus, Quanton, Zorua, une reverse avec un Cardus et derrière nous aurons un Magerna. Ok, Magerna, il date pas de figure spectrale lui. Pas du tout, numéro 800, hein, je dis des bêtises. En vrai, ça me fait penser à un Pokémon de vigueur spectrale. Un peu mecha, tu vois, mais pas trop. Et un peu... Non, je sais pas. Mais un petit peu mecha, mais pas trop, quoi. Ça fait penser à vigueur spectrale. Mais du coup, non, il est venu après. Hop, allez. Ok, ok. Giratina, code noir. Qu'est-ce que tu nous proposes, Giratina? Qu'est-ce que tu nous proposes comme carte? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Armulis. Machoper. Graham. Capumain. Mimigal. Funessir. Roselia. Rocabo. Une rare reverse avec un Scorbunny et derrière, ok, on aura une petite holo avec un Darkrai holographique. Qui est ma foi, bah c'est une holo classique. J'ai pas de gros coup de cœur dessus, mais bon, c'est une holo. On prend, on prend, on prend, et du coup on enchaîne sur le dernier booster. On n'a pas sorti d'autres ultra rares. On a sorti tout dans la première partie. Ok, un code blanc. Un code blanc, 1, 2, 3, 4. Peut-être une TG pour terminer. Peut-être. On y croit. Portail Mirage, Chartor, Lipoutou et la mise au point qui se fait sur Evoli. Ok, Lipoutou, c'est bien top. Rongourmand, Hexadron. Ah oui, les cartes qui chutent, ça m'avait manqué. Dans l'autre sens, c'est mieux parce que je tourne là du coup. Là que ça voit, il n'y a aucun suspense. Et derrière, un Scorbunny horaire pour terminer. Eh ben écoutez, amis, moi je suis quand même très contente. On a eu que... deux ultras, ça fait une ultra pour 4 boosters. Bon, en soi, c'est un quota à peu près normal, d'une série normale, j'ai envie de vous dire. Mais par contre, on a sorti de très jolies cartes avec une rainbow. Mais je trouve ça incroyable. Ça brille de ouf, quoi. C'est... waouh. C'est pailleté, là. Tu la vois, là. Non, franchement, très jolie. Et une full art dresseuse aux couleurs de l'automne que je trouve très belle. Donc franchement, je suis très contente. Je sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ma pioche dans les commentaires. Écoutez, les amis, cette vidéo est terminée. Donc moi, je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos.